L'année écoulée a été riche d'événements et d'évolutions pour Unicem Entreprise Engagée. Tout d'abord pour la charte environnement. Début 2018, nous avons lancé la nouvelle version du référentiel grâce à l'appui des auditeurs qui ont beaucoup travaillé sur son amélioration. Concernant la charte RSE, après le lancement début 2017 de l'outil pour l'industrie du béton, nous avons lancé donc notre référentiel pour l'industrie extractive en mars cette année. Et puis enfin, nous avons appris tout récemment que nous étions sélectionnés par la plateforme RSE pour l'appel à projet sur l'expérimentation des labels RSE. Tout d'abord, donc dans le cadre de l'expérimentation pour les labels RSE, nous allons suivre de près son déroulement, participer à des groupes de travail et surtout commencer à échanger sur les retours possibles de cette expérimentation et sur la reconnaissance que peuvent en attendre les entreprises. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Nous allons poursuivre le développement donc des services pour nos adhérents. Tout d'abord par le déploiement de formations adaptées pour les aider à monter en compétences dans le domaine de la RSE. Nous allons développer des nouveaux outils pour leur permettre de mettre en place en interne ces démarches. Aujourd'hui, nous militons beaucoup pour de l'accompagnement collectif, notamment par la mise en place de clubs RSE dans chaque région, qui vont permettre aux entreprises d'échanger sur leurs bonnes pratiques, mais aussi de partager leurs difficultés, donc de mutualiser indirectement des moyens. Et nous allons aussi nous ouvrir vers d'autres secteurs d'activité. Nous avons à apprendre de tout secteur. Donc, pragmatisme, des valeurs fortes et donc engagement.